Gad Elmaleh agace Caroline de Monaco durant sa relation avec Charlotte Casiraghi par le biais de sa consommation excessive d'alcool. Dans ce sens, cette addiction brise totalement la relation entre le papa du petit Raphaël et son ex-belle-maman. En même temps, elle des Grimaldi subit déjà les effets de cette pendance avec son époux Ernest Auguste de Hanovre. En effet, le rapport complique avec elle, alcool de Gad Elmaleh agace Caroline de Monaco et brise totalement leur relation. Dans ce sens, elle, ex de Charlotte Casiraghi, évoque ce sujet sensible dans le cadre d'une interview avec Journal de Dimanche. Apparemment, le papa de Raphaël, actuellement âgé de 8 ans, affirme fièrement qu'il décide d'arrêter l'alcool le 1 août 2021. Notamment, le célèbre humoriste Franck Edé, origine marocaine qui présente son spectacle à Dubaï, se qualifie en tant qu'alcoolique asymptomatique. Autrement dit, le genre des alcooliques qui ne roule pas par terre et ne saigne pas du nez, communément appelé mondain. En effet, en picolant pour elle, n'importe quelle occasion, Gad Elmaleh agace Caroline de Monaco, qui ne tolère pas cette addiction. Apparemment, elle, ex de Charlotte Casiraghi, confie qu'il boit qu'il soit heureux ou malheureux, après un bon comme un mauvais show. En même temps, elle, humoriste, estime qu'un mec classe qui enchaîne les coupes de champagne en riant reste un alcoolique. Et pourtant, même en état d'ivresse, le papa du petit Raphaël ne se montre jamais violent envers son entourage. Notamment, comme le cas de elle, époux de son ex-belle-maman Anne des Grimaldi, le prince Ernest Auguste de Hanovre. En effet, la justice autrichienne oblige elle, époux de Caroline de Monaco, à de suivre une psychothérapie pour surmonter sa pendance. Dans ce sens, le prince Ernest Auguste de Hanovre se retrouve contraint de rester en état de sobriété pendant 3 ans. En même temps, la justice autrichienne lui interdit de rester dans son domicile, la résidence Auerbach, faute de son comportement. Et pourtant, le papa de Charlotte Casiraghi passe 50 années de sa vie dans cet ancien pavillon de chasse. Le magazine Bund rapporte que, en tant que tutrice légale, Anne des Grimaldi doit accueillir le patient durant son traitement.